Oui, dans les feuilles. Dans le buisson. Pas grand chose, hein. On a trouvé ça. Moi, construit. Truc de plaido. Ah, si, il y a des petites boîtes avec plaido. Moi, je construis d'abord. On a vu un petit rubicule. J'ai pris des pantalons pour lui. €1 le pantalon. Ça, c'est un liberto. Waouh, il est génial le portefeuille. Un petit pull Hour, gars. Un petit pull Décathlon. Ça, c'est un Okaidi. Pareil, 1 €. Qui a dit 1 €. Et là, c'est un skinny. Je crois que ça, c'est du Donanco. Je crois que c'est du H&M. C'est quoi ? Voilà, l'objectif que j'avais c'était ça, c'était de rabaisser. J'ai plus de voix. Puis après il s'est mis à pleuvoir, donc du coup on est parti. On est parti vite fait. Il faisait si beau ce matin. Et là il commence à pleuvoir. Alors je sors sans parapluie évidemment. Bon, en même temps c'est juste à côté. Je vais aller poster mon petit colis. Oui, c'est le carton de mes miroirs. C'est des petits trucs que j'ai vendus sur Vinted. Donc je vais aller le poster au pick-up et je vais passer à un terre vite fait parce que faut que j'aille chercher du miel pour ma gorge. Du miel, un avocat et des œufs. Parce que j'ai pas mal de bananes, donc je vais faire des petits. C'est soit je fais un banana bread, soit je fais des petits cookies bananes flocons d'avoine. Je verrai bien. Tu vois, moi j'habite là-bas. Et l'inter, il est là. Elle est pas belle, la vie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, toujours pas de voix. J'ai toussé toute la nuit, j'ai passé une nuit, mais laisse tomber le truc de ouf. En plus, j'ai mes règles, donc... aujourd'hui, je suis out, complètement patraque. Je devais sortir ce matin. Et puis, je sais pas si je vais sortir tellement je suis naze, je suis fatiguée. Un coup, il fait beau, un coup, il fait froid. Je te dis, là, il faut que je reprenne des forces. Là, quand je vous filme, on est mercredi matin. Demain matin, je vais faire mes courses à Leclerc avec Siam. Parce que du coup, les petits reviennent vendredi. T'as la semaine, elle sera passée à une vitesse de ouf. Je crois que j'ai mis trop d'highlighter. Je me suis maquillée comme jamais alors que je vais rester chez moi. Mais ça, c'est pas grave. On me l'a déjà dit, ça, Amy, tu restes chez toi, tout ça, pourquoi tu te maquilles? Mais parce que j'aime ça, en fait. C'est pour moi que je le fais. C'est pour moi, j'aime me maquiller, j'aime me remarquer. Ce matin, je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, putain, je me trouve bien aujourd'hui. Juste ces petites mèches-là, rebelles, comme moi, on ne peut pas partir. Tant pis, c'est pas grave. Elle va rester là. Ouais, ça fait con aussi. Donc, bon, allez. J'ai mis de la laque et tout exprès. Donc, ouais, je pourrais ne pas maquiller, m'habiller n'importe comment. Bon, aujourd'hui, j'ai fait simple, un pull camionneur, un petit t-shirt beige. Et puis, j'ai un petit baggy beige. J'ai mon petit plaid. Que j'avais payé une fortune, j'avais dû payer ça 40 balles, mais il y a genre 5 ou 6 ans. J'avais un chèque cadeau en fait à utiliser et je l'ai acheté et après j'ai trouvé les mêmes chez Action à 10 balles. Enfin bref, mais bon, je l'adore, c'est mon petit plaid. Et puis bah, là je vais déjeuner, il est 9h moins quart. Et puis donc demain je dois faire les courses.
Vendredi, j'ai un rendez-vous manucure. Et puis voilà, je vous filmerai un petit peu. Là, ce que je vais faire, je pense que je vais clôturer là ce vlog. Non, je vais vous montrer un truc que j'ai reçu de Wham Cosmetics. J'avais déjà commandé, je vous l'avais déjà montré. Ok, je suppose que je regarde le flacon. J'avais commandé mon huile démaquillante sur Wham Cosmetics et j'ai vu passer une pub Insta et bon, comme d'habitude, j'ai craqué. Enfin, j'ai craqué raisonnablement. Hein. C'est une petite huile, elle vaut 10 euros. Elle était en promo sur leur site wham.fr ou .com, je ne sais plus. C'est l'huile de café vert en fait. Et ce que je regardais, c'est que ça s'ouvre par le haut. Et ça, c'est plutôt cool. Anti-âge, tonifiante, raffermissante, 100% pure et végétale, certifiée COSERT. Elle est géniale. Ça, je l'ai vu aux quelques gouttes contour des yeux pour raffermir le contour des yeux. Enfin, voilà, visage, corps, cheveux. Ça te met riche en antioxydants. L'huile de café possède des propriétés stimulantes et énergisantes précieuses pour tonifier la peau et retrouver un teint frais et lumineux. Cette huile est très convoitée dans les soins anti-âge et anti-cellulite. Il est revenu la mèche, elle est revenue, je la vois. Elle est aussi protectrice pour les cheveux. Utilisation en application quotidienne sur le visage ou sur le corps. En bain d'huile sur les cheveux, en application des longueurs jusqu'aux pointes. Éviter le contact avec les yeux et ne pas ingérer. Pour plus de conseils et de recettes beauté, suivez-nous sur Wham Cosmetics. En fait, il faut un peu le même principe qu'Aromazone, c'est-à-dire que tu peux acheter des trucs comme ça, remettre de l'huile essentielle dedans, enfin, voilà. Et moi, l'huile démaquillante, elle est super chouette, en fait. Et du coup, enfin, t'imagines, je l'ai payée, ouais, 12 euros, je crois, hein, elle était en promo, au lieu de 14 ou 15 balles. Et t'imagines, t'en prends que quelques gouttes, le temps que ça fait. Donc, je vais la tester, mais c'est un site que j'aime beaucoup. Ils ont beaucoup de produits, enfin, tout est bio, tout est bien certifié, c'est bien décrit sur le... C'est pas un partenariat, hein, je l'ai acheté, hein, je préfère te le dire. Moi, j'aime bien après faire de la pub aux marques que j'aime bien. Après, si tu me contactes pour un partenariat, je ne dirais pas non, effectivement. Et puis, voilà, donc je vais la tester. Et puis, bon, je te dirai quoi. Je te dirai quoi. Mais bon, voilà, je vais clôturer là ce petit vlog. J'espère que tu auras aimé passer ces quelques jours avec moi. Et puis, ben, je vais continuer à en retourner un derrière. Et puis, celui-là, ben, je vais te le poster très prochainement, prochain. Je te fais de gros bisous, abonne-toi, n'hésite pas, hein, puis suis-moi sur tous mes réseaux sociaux et je suis en train de sortir des nouveaux bijoux sur Eora. Donc, passe faire un petit tour sur la boutique. Bye bye!